Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement rappeler à nos collègues que mercredi, c'est pour la première année la journée mondiale du paludisme. Jusqu'à présent, c'était African Malaria Day. Pour la première année, c'est une journée mondiale du paludisme. Et rappeler que ce fléau mondial, lié naturellement à la pauvreté, affecte 107 pays dans le monde et dans 90 de ces pays, c'est un problème majeur de santé publique puisque 40% de la population mondiale vit dans des régions affectées par le paludisme. Le nombre de cas de paludisme rencontrés dans le monde se situe entre 350 et 500 millions par année, dont plus de 60% des cas en Afrique qui causent 90% de décès. Toutes les 30 secondes, c'est-à-dire qu'à la fin de mon intervention, Monsieur le Président, deux enfants seront morts du paludisme. Toutes les 30 secondes, un enfant meurt en Afrique. On estime en plus que c'est un ralentisseur de croissance, puisque le paludisme coûte au PIB 12 milliards de dollars par an. Il y a mercredi un déjeuner de travail au salon C21 à 13 heures sur ce sujet. Merci, Monsieur le Président.